on s'est intéressé dans notre groupe à la symbolique des couleurs. On a trouvé que le blanc, celui du voile de Sainte-Eugénie, symbolisait la pureté, l'innocence. Le jaune-orangé, celui de sa robe, symbolise la chaleur et la lumière. Le rouge, en revanche, est le symbole de la puissance, de la colère. On dit « voix rouge ». Il n'y a qu'un seul personnage en vert. Pourquoi ? Le vert symbolise l'instabilité, celle du hasard, du jeu. Les bouffons et les jongleurs s'habillaient en vert à la cour des rois. Sur le cadre du tableau, on peut lire une inscription en latin. Elle indique que le tableau a été donné par François de Dindeville en 1537. Qui était François de Dindeville ? Alors, François de Dindeville donc, était membre d'une grande famille importante sous le règne de François Ier. Et à cette époque-là, il était évêque d'Auxerre. Et Varzy appartenait à l'évêché d'Auxerre. Et c'est lui qui a commandé ce tableau, ce triptyque, pour l'installer donc en 1537 dans l'église Sainte-Eugénie de Varzy. Par contre, tu auras peut-être noté que le peintre a indiqué au bas du panneau central la date de 1535. Donc le tableau a effectivement été commandé et terminé en 1535, et simplement 2 ans plus tard, donné et installé dans l'église Sainte-Eugénie de Varzy. Certains personnages du tableau sont habillés comme des Romains et d'autres comme à l'époque de la Renaissance. Pourquoi ces deux époques vestimentaires ? Donc on a à la fois une histoire biblique, disons, avec des habits qui peuvent se ramener au premier temps des martyrs chrétiens, donc l'Antiquité romaine. Et puis l'autre histoire, c'est ces personnages contemporains, donc cette famille d'Indeville, qui eux, évidemment, sont habillés comme ils pouvaient l'être quotidiennement à cette époque-là. Et puis, la troisième chose, et on le voit très bien, notamment dans le panneau central, c'est qu'on est un petit peu sur une scène de théâtre. T'as remarqué, on a cette sorte d'estrade, et puis tous ces personnages, on a finalement l'impression qu'ils sont en train de nous jouer une pièce, d'une certaine manière, avec plusieurs petites scènes comme ça qui s'entremêlent. Et puis les costumes, c'est aussi des costumes de théâtre. Et c'est pour ça qu'on entremêle l'Antiquité, la Renaissance. Donc il faut prendre le temps, il faut explorer les indices, essayer d'identifier les personnages, savoir comment le tableau se lit. Est-ce que l'histoire de Sainte-Eugénie est vraiment centrale ou est-ce qu'elle est un petit peu annexe par rapport à tout ça ? C'est le genre de tableau qui pose beaucoup plus de questions qui va apporter de réponses. Je crois qu'au final, on aura énormément de points d'interrogation. Mais c'est ce qui est passionnant. Le peintre n'a pas signé le tableau, mais on dit que c'est lui qui est là entre les deux jambes du bourreau. Oui, effectivement, le tableau n'est pas signé. Il est simplement daté. C'est assez normal à l'époque. Il n'était vraiment pas d'usage que les peintres signent leurs œuvres, a fortiori quand il s'agit d'un tableau d'église. Cette idée de signature va commencer à se répandre à la fin de la Renaissance, à la fin du XVIe siècle. Par contre, tu as raison, la tradition autour de ce triptyque veut que le personnage représenté entre les jambes du bourreau soit le peintre, qui a encore une identité encore plus ou moins mystérieuse. Cette idée est recoupée par la présence du même portrait dans un autre tableau du même peintre qui représente aussi une scène avec la famille d'Indeville qui se trouve au Metropolitan Museum de New York. Et c'est exactement le même portrait. On sait notamment par un détail, par des armoiries qui sont dessinées, peintes sur l'église qui se trouve dans le fond, que notre ami le peintre est probablement originaire de la ville de Haarlem aux Pays-Bas. On sait qu'il a sans doute étudié dans l'atelier d'un maître à Rome, puisqu'il y a plein de détails qui prouvent qu'on est dans cette école romaine de peinture, notamment les musculatures des personnages qui sont une sorte d'inflation, comme ça ils sont très musclés,
il aime bien visiblement représenter des mollets, des fessiers, des choses comme ça. Et ça, c'est un trait typique de la Renaissance à Rome. Les peintres romains aimaient beaucoup ces représentations. Et puis ce peintre a dû revenir travailler en Bourgogne, puisqu'il a des commandes de la famille d'Indeville dans ses environs de 1535-1537 pour le tableau de New York, 1535 pour celui-ci. Et donc voilà, on a cet axe nord-sud et qui place la Bourgogne vraiment au centre de ce foisonnement, de ce bouillonnement de la Renaissance. Et c'est probablement une œuvre d'atelier, parce qu'il y a des différences assez marquantes, notamment dans le traitement des visages. Il y a certains visages qui sont très stéréotypés, il y en a d'autres qui sont vraiment traités au rang de portraits individualisés. Il y a probablement également un des tâcherons de l'atelier qui s'est occupé des fonds un petit peu bleutés qu'on voit dans le lointain, peut-être un autre qui a peint toutes les architectures. Mais globalement, je pense que le peintre, le chef de l'atelier, celui qu'on voit entre les jambes du bourreau, c'est lui attardé sur ses portraits, qui sont des portraits de très grande qualité. Hein. 1535, c'est aussi l'époque où Hans Holbein, par exemple, peignait les ambassadeurs. On voit Jean de Dindeville, un des frères d'Indeville. Il peignait tous les grands portraits d'Henri VIII, il peignait toutes les grandes cours d'Europe. Et ce peintre est un petit peu dans cette optique-là, avec des portraits humanistes, des portraits très individualisés. On n'est plus dans le portrait un peu interchangeable, tel qu'on a pu le voir dans les débuts de la Renaissance. On est vraiment dans l'idée de mettre en avant les traits de caractère de l'homme, de ces hommes. Ce tableau a traversé les siècles. Pensez-vous qu'il soit bien dans cette église ? Alors ce tableau, étant donné le sujet, a forcément été peint pour une église depuis le départ. Il a été prévu pour être placé dans une église. Et il y a 500 ans, il y avait exactement les mêmes problèmes de climat, les mêmes problèmes d'humidité, de conservation. Donc les peintres prévoyaient forcément que le tableau allait être mis dans un lieu effectivement très très rude, c'est-à-dire un lieu qui allait mettre à rude épreuve le tableau. Et d'autre part, à cette époque-là, donc au XVIe siècle, les peintres étaient de très très bons techniciens avant d'être des peintres, des artistes, en même temps que d'être des artistes. C'est-à-dire qu'ils connaissaient très bien leurs matériaux. Ils les mettaient en œuvre de telle façon que leur œuvre dure. D'ailleurs, elle dure jusqu'à aujourd'hui. Et le bois est donc un des matériaux qui bouge le plus. Je pense que ça, c'est facile à comprendre. Il gonfle quand il y a de l'humidité. Et puis, il se rétracte quand l'air devient plus sec. Alors bon, c'est pas très grave, peut-être s'il s'agit d'un plancher, mais s'il s'agit d'une œuvre avec une préparation par-dessus et puis une peinture après, qu'est-ce qui peut arriver si le travail est mal mis en œuvre? C'est que la peinture se soulève et finisse par s'en aller complètement. Pour un tableau comme celui-là, quelle serait votre démarche de restauration? Par quoi commencez-vous? Donc on commence par venir voir évidemment le tableau. On passe beaucoup de temps sur un tableau, on l'observe. On regarde l'état dans lequel il est, on regarde l'environnement, on discute avec les conservateurs, on discute avec beaucoup de personnes pour savoir un petit peu, on donne chacun notre opinion. Et ce qu'il faut expliquer, c'est que dans la restauration, il y a deux parties très importantes. Enfin, il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle la restauration, c'est un peu savant, mais je vais t'expliquer, conservative. Ça veut dire que c'est tous les actes de restauration qu'on est obligé de faire pour que l'œuvre ne se dégrade pas. Il n'y a pas forcément besoin de faire ça. Des fois, quelqu'un nous dira « je trouve que ce tableau est sale, nettoyez-le ». Et il y a juste besoin de le nettoyer, donc il n'y a pas de problème de conservation, c'est juste esthétique. Voilà, et une fois qu'on s'est assuré de la consolidation
du support, la préparation et de la couche picturale, on peut commencer à la nettoyer. Et puis seulement après, on passe une première couche de vernis et on comble les trous, les petits trous et des mastiques. C'est comme pour le travail d'un mur, hein. Quand il y a des trous, avant que les peintres ne fassent la peinture, ils passent des enduits, des mastiques, ils lissent, voilà, on fait ça. Et après, on fait ce qu'on appelle la réintégration picturale, c'est-à-dire la retouche. C'est-à-dire que là où il manque de la peinture, où il y a des lacunes, on appelle ça une lacune, on retouche, juste sans dépasser, juste à l'endroit de la retouche. D'accord. Voilà. Vous devez utiliser du matériel, des peintures spécifiques en fonction de l'époque du tableau. Quel est votre matériel ? Alors, on parle. Ce qui t'intéresse surtout de savoir, c'est ce qui concerne la peinture, je pense. Oui. Plutôt que tout le matériel en général, parce que c'est énorme. Alors, de toute façon, d'une façon générale, il y a quelque chose de très important à dire, c'est que la restauration aujourd'hui doit obligatoirement obéir à une grande loi qui s'appelle la réversibilité. Ça veut dire quoi ? Réversible, c'est-à-dire quelque chose qui peut revenir en arrière. Pour X ou Y raison, un autre restaurateur doit intervenir quelques temps après. Il peut retirer tout ce qui a été fait, y compris les collages, même les choses les plus profondes, sans dommage pour l'œuvre. C'est-à-dire ne pas avoir besoin d'utiliser des produits extrêmement puissants ou taper dessus pour retirer ce que le restaurateur d'avant a fait. Donc, pourquoi je te dis tout ça ? Parce que, évidemment, ce qu'utilisaient les peintres par les temps passés, c'était loin d'être réversible, et heureusement pour nous. Parce que comme ça, ça perdure, ça existe toujours. Donc nous, on n'a pas le droit d'utiliser les mêmes produits qu'eux. C'est-à-dire que jamais, on n'utilisera jamais de la peinture à l'œuf, de la peinture à l'huile, parce que c'est fait justement pour devenir extrêmement solide et traverser les siècles. Donc on va utiliser... Si tu voyais ma palette, ça ressemble beaucoup à celle de n'importe quel peintre. Sauf que j'utilise des pigments, j'utilise des peintures un petit peu spéciales. Sauf que justement, elles ont cette spécificité, c'est que au lieu d'être dans de l'huile, ou dans de l'œuf, ou dans de la caséine, enfin des liants qui sont très solides, qui deviennent très solides, elle est dans ce qu'on appelle, on appelle ça souvent de la peinture au vernis, mais on a plusieurs liants, mais qui peuvent se retirer extrêmement facilement. Un petit coup de white spirit et hop, ça s'en va. Ce qu'on peut voir aussi, ce que je regardais tout à l'heure, ce sont les usures. Alors les usures, c'est quoi ? En général, elles n'ont pas été faites naturellement. Ce sont des précédents nettoyages qui ont usé la couche picturale. Et plus particulièrement, on les repère souvent dans les ombres. Et quand il s'agit d'un tableau ancien comme celui-ci, on les repère souvent dans l'ombre des vêtements, comme ici. Et ici, on voit effectivement que les ombres, enfin les lumières sont très, enfin sont bien peintes, il y a de la pâte, alors que sur les ombres, on sent même la sous-couche, enfin la préparation. On voit le fond par transparence. Enfin, si on observe bien, on se rend compte qu'on voit le fond. Et même un dessin sous-jacent. Moi, je commence à la... Je suis un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut du temps, et je finis par repérer les choses. On sent des dessins par-dessous, des coups de crayon, c'est extrêmement intéressant. Un tableau, on peut apprendre énormément rien qu'en le regardant. Et ça aide justement après à comprendre comment on va le restaurer, à discuter avec les conservateurs, à se dire voilà ce qui reste, ce qui ne reste pas, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui vraiment est gênant. On nous a dit que les saints de la Sainte Eugénie avaient été peints en noir au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on avait recouvert les saints de cette sainte, de Sainte Eugénie. Alors ça arrive, ça se faisait effectivement très souvent au XIXe siècle. Alors moi je ne suis pas du tout historienne, mais je pense que si... Il y a eu beaucoup de courants qui poussaient à cacher tout ce qu'on peut appeler les parties intimes de tous les personnages sur les peintures. Et donc c'était extrêmement courant de trouver, par exemple, une jeune femme, les seins nus, que ses seins soient recouverts. Et le nombre, on appelle ça donc un repeint de pudeur. Et dans cet ordre de choses, on a...
a découvert un nombre considérable de petits Jésus qui avaient des tas de rubans qui lui tombaient entre les cuisses, alors qu'en fait il était tout nu, comme sont souvent les bébés. Mais au XIXe siècle, on avait énormément recouvert les personnages nus sur les tableaux qui dataient de la Renaissance ou du Moyen-Âge. Et il y a un exemple qui est très connu pas loin d'ici, c'est à Beaune. Le dernier jugement, tous les personnages nus de l'enfer étaient habillés. Enfin, ils ont été habillés au XIXe siècle, ils ont été déshabillés de nos jours. Ce qu'on se permettait de faire par les siècles passés, même jusqu'aux années 40, 50, au XXe siècle, ne se ferait plus du tout. Maintenant, ce qu'on veut, c'est juste la vérité de ce qui est, c'est-à-dire l'œuvre, voilà, elle est arrivée dans cet état-là, on ne va pas commencer à la bricoler, à cacher des choses, à en repeindre. On va juste essayer de la rendre plus lisible, que le public puisse se dire « Ah oui, il s'agit de ça. » Voilà. Mais jamais on se permettrait ça maintenant. Comme quoi, on n'a pas la même idée qu'il y a 150 ans. Le sujet du tableau est triste. La sainte doit être décapitée. À ton avis, quelles ont été ses dernières pensées ? Elle devait avoir peur. Elle a dû demander de l'aide à son Dieu. J'espère qu'il l'a écoutée. Elle a l'air calme. Elle prie. On ne la sent pas terrifiée à l'idée de mourir. Elle est jeune. Elle aurait pu faire plein de choses. Le bourreau aurait pu être attendri par sa beauté, sa jeunesse. C'est le bourreau qui nous intéresse. Il a attiré notre regard car sa force domine le tableau. Ses mollets sont très athlétiques. Les muscles de ses fesses se dessinent très nettement à travers l'étoffe de son vêtement. Son épée est prête à frapper la nuque de la sainte. Sainte Eugénie est triste, résignée, comme indifférente à l'horrible sort qui l'attend. Je me demande ce que pensent les bourreaux. Comment en arrivent-ils là ? Ont-ils besoin d'argent ? Mais c'est raisonner avec une pensée d'aujourd'hui que de se poser ce genre de questions. Bien qu'on décapite encore des gens, il suffit d'écouter les informations.